Bienvenue sur cette chaîne YouTube, merci de m'y retrouver pour la lecture intuitive pour les taureaux pour le mois d'août 2019. Les méditations que j'essaie de mettre en place pour le mois d'août seront disponibles soit sur YouTube soit sur Vimeo, j'ai pas encore décidé de ce que j'en fais vraiment. Voilà, je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu tout ce que j'ai mis en place pour ce mois d'août. Ici, vous aurez donc pour la lecture de ce tirage les énergies pour vous pour ce mois d'août, celles qui vont vous animer. Ça va être un peu ce qui va ensuite se délier un peu dans le reste du jeu. Ici, c'est vos interactions avec cette énergie. Ici, vos énergies avec le monde extérieur, famille, amis. Mais ça peut être aussi les événements qui viennent vers vous, votre rapport à l'extérieur. Ici, vos interactions avec cette énergie-là et ici, des potentiels possibles. Voilà. Alors, juste, je fais une petite opération avant que ça se renverse partout par terre. Je mets le thé juste là. Voilà, donc on commence avec cavalier de bâton. Bâton. 5 de bâton. 2 de bâton. Valet d'épée. Impératrice et le monde. Ici, vous avez 5 de... Excusez-moi. 5 de coupe. Donc, ensuite, on va commencer par le valet de bâton. Donc, valet de bâton sur les énergies qui vous occupent en ce mois d'août. Peut-être que pour certains, il va s'agir de... Il y a une idée comme ça d'être armé pour la victoire, d'être prêt pour la victoire, de quelque chose qui vous vient d'en haut, une force qui vous vient d'en haut, qui est canalisée par ce bâton en fait, qui vous vient d'en haut, une force d'action. Il y a une idée aussi de pouvoir avancer vers ce que vous désirez, aller vers ce que vous désirez vraiment. Peut-être que vous avez un souhait qui un rêve qui vous habite et que vous avez la possibilité pendant ce mois d'août d'aller vers ce rêve. Conscience de la possibilité du moment présent et de le vivre pleinement, de sortir peut-être même d'un état de stase, d'un état où il y avait un peu pas rien mais quelque chose de très lent et de très stagnant. Comme si vous lâchiez un peu les rênes, comme si vous fichiez un peu la paix sur ce que vous devez faire, ce que vous devez être, ce que vous devez avoir à votre âge ou dans la vie parce que vous avez fait ça comme étude. C'est un peu comme si vous vous laissiez tranquille un peu par rapport à toutes ces exigences sociales qui entrent en vous malgré vous. Et que vous donniez la possibilité d'aller vers autre chose, d'aller vers un désir plus spirituel, d'aller vers quelque chose de, j'ai envie de dire, plus sain pour vous, pour votre santé mentale et pour votre corps. Quelque chose de plus établi, de plus à votre taille. D'aller vers quelque chose qui a de la valeur pour vous, qui a un sens véritable. Peut-être même... Que c'est cette révélation-là que vous avez trouvé quelque chose qui donne un sens et qui vous permet de sortir de cette léthargie. Un peu l'idée de laisser ce cheval, de laisser la vie vous façonner et être en accord avec ça, avec ce qui est là aujourd'hui. Et plus être dans « je devrais » dans des pensées comme si vous devriez être quelque chose. Il y a un peu cette rengaine, j'ai l'impression qu'il revient, que vous devriez être, devriez avoir fait, devriez être comme ci, devriez être comme ça, alors que ce que vous êtes déjà aujourd'hui, avec tous les tracas que vous pouvez avoir, c'est déjà parfait. C'est déjà ce que vous devez être. C'est déjà le meilleur de vous aujourd'hui. Et chaque jour amène des nouveautés, des changements, des évolutions, des possibilités d'aller vers autre chose. Et c'est avec ça que vous êtes en accord là, avec ce cavalier de bâton, c'est avec ce désir-là de tous les jours être dans ce qui est. Il y a une énergie comme ça de rééquilibrage
entre ce que le mental veut, ce que le mental et l'ego veulent, et ce que vous voulez, ce que la vie, ce que le contact à votre vraie réalité veut. Et un peu cet équilibre à trouver, ou se laisser guider, se laisser équilibrer par ça. Ensuite, vous avez par-dessus le valet, dessous, pardon, l'épée, le valet d'épée. Valet d'épée dans une énergie d'interaction avec cette énergie du dessus, là, dont je viens de parler. C'est cette idée que quelque chose en vous, que le chemin de l'expression qui vous va, que le chemin de l'expression qui vous va, qui vous sied, qui vous va, qui fait que vous êtes dans quelque chose qui fonctionne, c'est l'énergie qui va du dedans vers le dehors, c'est-à-dire de ce que vous avez à l'intérieur qui s'exprime vers l'extérieur et non l'inverse. C'est pas les autres ou ce que vous pensez qu'il faut être en extérieur qui doit guider vos actions et votre pensée et le reste, c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui doit influencer vos pensées et le reste. Et c'est peut-être ce que vous comprenez ou ce qui vous aide à comprendre ça, l'énergie du cavalier de bâton pendant ce mois d'août. Il y a quelque chose que vous, peut-être que vous regardez dans ce passé de ce que vous avez été pendant ce mois d'août, que vous tranchez, quelque chose que vous rangez de ce passé, quelque chose peut-être avec quoi vous faites la paix dans ce passé, qui a beaucoup occupé vos esprits, qui a beaucoup occupé votre pensée, et qui a peut-être vous a peut-être fait des choix qui n'étaient pas vécus dans le moment présent, mais qui étaient vécus par rapport à quelque chose de passé qui n'existe plus, qui n'est plus là, et qui est une illusion finalement, puisqu'il n'est pas dans le présent. C'est une attache, peut-être que vous tranchez, une attache que vous tranchez par rapport à une illusion passée. Et il y a aussi l'idée que vous avez la capacité de décider de vous servir des outils que vous avez en votre possession et non l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin de chercher ces outils absolument ou de chercher dans la matière des choses pour vous réaliser, d'être comme ci ou d'être comme ça. Il y a une intention là dans ce valet d'épée de vous rendre compte des outils que vous avez aujourd'hui en vous et non des choses que vous devez avoir à l'extérieur. Une voiture, une position sociale, comme je disais, pour être bien dedans. Non, c'est ce que vous avez à l'intérieur, les atouts que vous avez à l'intérieur de vous, dont vous disposez, dont vous décidez de vous servir, dont vous pouvez vous servir pour être dans cette volonté du désir du cavalier de bâton qui est en accord avec cet intérieur, avec cette vibration plus haute. Il y a quelque chose qui tourne autour de ces symboles-là. Que ce que vous avez aujourd'hui en votre possession, que ce que vous avez aujourd'hui, c'est ce dont vous avez besoin. Il y a comme une idée de que c'est jamais assez bien, que c'est jamais, que vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez, qu'il faut toujours aller chercher quelque chose au-delà. Alors que ce qu'il y a à l'intérieur de vous est d'une grande richesse, et c'est cette richesse-là que peut-être il faudrait considérer ou que vous pouvez considérer, que vous allez considérer comme un outil que vous pouvez utiliser pour trancher avec ces pensées et ces croyances passées. Sur vos interactions avec l'extérieur et avec le monde du dehors et la vie en général, il y a le 5 de bâton. 5 de bâton, il y a une idée de votre position, de votre place, de la place que vous occupez, la place familiale. Place dans la famille, là, je dirais. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça que le cavalier de bâton et le valet d'épée interagissent, c'est-à-dire avec cette place? Est-ce que c'est ça, cette place, et la place qu'on veut que vous ayez, avec laquelle vous tranchez et vous vous désolidarisez? Est-ce que c'est par rapport à ça? Je ne sais pas, vous voyez par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Il y a une question par rapport à votre rôle dans cette famille, par rapport à comment vous apparaissent les,
les interactions avec les membres de cette famille, les liens familiaux. Il y a une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez votre place? Est-ce que vous avez trouvé votre place? Est-ce que vous êtes à l'aise à cette, la place qu'on vous donne ou à la place que vous prenez ou que vous laissez les autres vous donner? Il y a une interrogation comme ça par rapport à la place qui revient d'ailleurs avec le 5 de... avec le monde et avec le 5 de coupe aussi. Une interrogation sur quelle place vous avez. Est-ce que vous avez votre place? Est-ce que vous sentez ça? C'est pas la question que je vous pose. Bien sûr que vous avez votre place. C'est la question que vous, peut-être, vous vous posez à l'intérieur. Dessous, sur les interactions avec cette énergie et cette idée de place que vous, peut-être, vous ne prenez pas ou que l'on ne vous autorise pas dans cette famille, dessous, il y a l'impératrice. L'impératrice, là, pour vous, elle pose une idée de territoire. Peut-être que vous vous positionnez en gardienne ou en gardien de ce territoire, en fait. Que vous arrivez à délimiter ou à comprendre avec ces énergies qui vous poussent dans ce mois d'août, à comprendre un petit peu et à vouloir mettre en action des limites ou à repousser des limites par rapport à ce qui vous est autorisé de faire ou non par rapport à cette place. Il y a comme une intégrité, une volonté de garder l'intégrité de votre corps et de votre esprit, de la préserver, de votre identité en fait. Il y a quelque chose, toujours avec l'impératrice, à propos de ce qui est dit. Peut-être que c'est par rapport à une conversation, une discussion que vous avez, où vous vous exprimez, vous dites quelque chose qui se libère peut-être, une parole qui se libère, une parole qui a besoin d'être incarnée, c'est-à-dire de se retrouver dans votre corps, que vous la vibriez, qu'elle vibre en vous cette parole et que vous puissiez l'échanger. Donc c'est sur le positionnement des choses avec l'extérieur, donc il y a certainement quelque chose à dire à cette famille. Ou quelque chose qui n'est pas dit dans cette famille. En tout cas, elle pose la question de qu'est-ce qui n'est pas dit. Qu'est-ce qui n'est pas dit dans cette famille par rapport à une place, par rapport à un positionnement, par rapport à un rôle. C'est peut-être quelque chose sur quoi vous avez besoin d'être accompagné. On voit son bouclier à côté. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous avez besoin d'être accompagné. Peut-être par un thérapeute, un ami, une amie, quelqu'un qui peut vous aider, vous guider à trouver les mots justes. Ou même à identifier ces mots à l'intérieur de vous et ces choses que vous avez besoin de dire. Peut-être besoin d'un soutien par rapport à ça parce que c'est quelque chose d'assez conséquent. Peut-être que seul, c'est un peu difficile d'assumer parfois le regard de la famille. Surtout quand il y a des tensions, quand il y a des choses qui ne sont pas dites, quand il y a des secrets. Quand il y a une difficulté de dialogue dans la famille, il y a peut-être des choses que vous pouvez trouver des moyens, des aides à l'extérieur pour pouvoir vous amener à délivrer, à libérer cette parole. Il y a peut-être aussi quelque chose à voir avec la naissance, avec la fécondité, peut-être avec votre propre naissance, mais il y a une idée de fécondité, de naissance en général. Il y a des choses, des communications familiales en tout cas à mettre en place. Il y a des choses que dans cette famille qui ne se disent pas. Il y a des choses qui sont peut-être secrètes, qui sont douloureuses à dire. Du coup, elles restent cachées parce que c'est pas toujours évident de trouver les mots. C'est pas toujours évident de trouver le moment pour dire les choses et d'avoir l'écoute en face aussi. Peut-être chercher conseil à l'extérieur, vu que vous êtes, que la carte est sur le positionnement des énergies avec l'extérieur. Peut-être que vous pouvez trouver conseil à l'extérieur pour pouvoir dire les choses ou inviter à dire les choses au sein de cette famille. Sur les potentiels possibles, il y a le 2 de bâton. Donc il y a comme une lutte qui cesse, comme un rapport de force qui cesse, c'est peut-être avec cette famille. Principalement, mais avec le 2, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de plus intérieur. Il y a comme une lutte qui cesse. Peut-être que c'est après avoir dit les choses, peut-être qu'une fois que les choses seront dites, il y a quelque chose qui se libère, il y a une intimité qui se... une naissance à votre intimité, un dialogue avec votre intimité qui s'apaise, comme quelque chose qui se fixe en vous. Peut-être qu'il se répare pour certains, mais il y a quelque chose qui se fixe, qui se positionne, qui tient la route par rapport à cet apaisement.
et à la fin de cette lutte. Et il y a quelque chose de ce style, de cet ordre-là. Ensuite, dessous, dans les interactions avec ses possibles, il y a le monde. Donc là, il y a vraiment, encore une fois, l'idée de place au monde, de rôle, de place occupée dans le monde. Il y a un lien véritablement fort dans votre tirage avec l'autre, avec l'énergie de l'extérieur, même l'énergie du monde en fait, parce que cette place, elle touche peut-être pas simplement votre famille ou la place que vous avez dans la famille. Souvent, ce qui se passe dans la famille, ça peut se revivre à l'extérieur aussi. Il y a comme une accoutumance à ce vécu qui fait que l'esprit, l'ego cherche à revivre les choses dans les liens autour. Donc ça peut être des liens d'amitié ou des liens sentimentaux avec des personnes avec qui vous avez partagé votre vie, vous partagez votre vie. Il y a une notion de place, de rôle et de place de ce qui se joue dans ce positionnement que vous avez face au monde, face à l'autre. Il y a vraiment quelque chose à avoir avec la naissance aussi. Pas si vous voyez ce que je vois, mais il y a quelque chose il y a quelqu'un qui naît et il y a vraiment une idée de naissance, quelque chose par rapport à la naissance, à la venue au monde. Ça symbolise aussi votre venue au monde aujourd'hui, c'est-à-dire pendant ce mois d'août, il y a quelque chose qui est accouché, qui est avorté, qui a fécondé, qui est avorté. Donc dans cette parole qui sort de vous ou qui sort de la famille des autres, il y a cette idée d'avorter quelque chose, d'accoucher pardon, quelque chose, de sortir quelque chose. Peut-être, si je dis avorter, il y a quelque chose à voir avec un avortement au sein de la famille. Il y a peut-être une idée comme ça. Ou d'un secret, d'une volonté d'avortement qui n'a pas été dite peut-être aussi. Et qui donc, par rapport à vous, si c'est votre cas à vous, bien encore, bien évidemment, je prends des pincettes avec ce que je dis. Je ne dis pas que c'est ce qui est, je dis que c'est quelque chose qui vient et qui peut-être vous parle. Donc, il y a pas de, ça ne veut pas dire que allez pas chercher des choses qui n'existent pas si ça ne résonne pas en vous, ces mots. Si vous ne ressentez pas quelque chose à l'écoute de ces mots. Mais pour ceux qui avaient des doutes ou il y a quelque chose comme ça qui n'est pas clair, peut-être une idée comme ça d'enfant non voulu, c'est ça dont je veux parler. Quelque chose qui n'a pas été réglé à ce niveau-là pour vous. Du coup, j'ai un peu perdu le fil avec ce mot qui est sorti à la place d'un autre. Donc, c'est peut-être votre naissance à vous. Votre naissance, votre venue au monde dans l'idée de cette personne qui dit les choses désormais et qui se libère de quelque chose, d'un poids. C'est quelque chose qui faisait pression sur une manière d'être et de vivre et de se comporter avec l'autre, d'être en relation au monde, à l'autre, qui change. Et du coup, il y a cette justification du monde pour vous. Le monde, c'est aussi l'acceptation, l'anéantissement de cet ego pour renaître à quelque chose de beaucoup plus à votre mesure, de beaucoup plus en connexion avec l'extérieur. C'est une carte qui vous relie, qui vous unit. Donc là, s'il y avait des séparations, des désaccords, des mésententes, des incompréhensions, ici, il y a l'union en vous et peut-être aussi avec l'extérieur. Il y a quelque chose qui se règle, il y a quelque chose qui se solutionne, qui se trouve, qui s'accorde. Alors, il y a aussi l'idée que c'est peut-être pas de votre naissance dont il s'agit, ni de votre place, mais peut-être si la famille dont il est question ici, c'est votre famille, celle que vous avez créée, avec un mari, une femme et des enfants, il y a peut-être au sein de votre propre famille, de votre noyau, ce qui est possible aussi, une idée de choses à dire à un de vos enfants aussi, par rapport à une place occupée par cet enfant. Je suis moins... j'ai moins l'impression de ça, mais il y a quelque chose comme ça qui vient. Donc, peut-être qu'il y a aussi ça, d'un enfant qui n'a pas été désiré ou pas voulu, il y a eu une volonté d'avortement, et finalement, cet enfant est né quand même parce qu'il y a eu un changement d'idée à la fin. Et il y a peut-être quelque chose comme ça qui a besoin d'être délivré au sein de la famille. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde, c'est juste... quelque chose qui peut s'exprimer comme ça, pour ceux à qui ça parle. En tout cas, il y a une union,
matière, esprit, il y a quelque chose en accord, il y a une idée d'accord avec cette carte, une idée de résonance, d'équilibre et de réjouissance aussi. Donc c'est peut-être une célébration autour de quelque chose qui s'est dit, ou peut-être quelque chose qui se célèbre en vous, tout simplement parce que vous délivrez quelque chose, vous vous libérez de quelque chose que vous ne dites pas depuis longtemps. Ça peut être vu sur plusieurs points en fonction de ce qui vibre avec vous. Et ici, en dos de deck, il y avait le 5 de coupe, donc qui vient en écho au monde et qui vient pour une célébration d'un amour, de quelque chose qui se partage, quelque chose à célébrer autour d'un partage d'amour. Comme s'il y avait un lien véritable qui se recréait au sein de cette famille, au sein de votre groupe d'amis, quelque chose dans lequel vous trouvez votre place et vous vous réalisez. Hein. C'est véritablement ça le monde aussi. Il y a une réalisation de votre potentiel, de ce que vous êtes face aux autres. Peut-être aussi quelque chose que vous assumez véritablement. Voilà pour les taureaux pour ce mois d'août. Voilà, j'ai tout dit, j'ai rien d'autre à rajouter qui me vienne là en regardant les cartes. Donc merci à ceux qui ont suivi ce tirage. Pour ceux qui veulent l'approfondissement, on se retrouve sur Vimeo. Donc je vais rajouter quelques cartes sur ce 5 de bâton avec cette place. 5 encore de coupe. Ok. Et quelque chose que vous allez dire aux autres. Je pense que pour certains, ça va être vraiment ce que vous allez dire aux autres. Cette chose que vous allez dire, elle fait écho en fait. Je pense qu'il y a quelque chose à régler pour des libérations en fait. Pas seulement pour vous, mais pour aussi les générations futures. Si vous avez des enfants, il y a quelque chose qui se joue. Il y a comme un, pour certains, un secret de famille. Je prends 15 cartes. Encore une dernière sur ce 5. La justice, il y a quelque chose qui se règle. Il y a une vérité qui se balance et qui... Il y a véritablement un besoin de confronter la vérité, de chercher la vérité au sein de cette famille. Ensuite, sur l'impératrice. Valet de coupe. Alors, j'aime bien voir la carte du dessous après. Il va y avoir des conversations, hein. D'amour, heureusement, mais des choses qui vont se dire, des dialogues. Je dis, il y a des choses qui se transmettent aux enfants. Il y a quelque chose de très fort sur le lien filial. C'est, comme on dit, c'est, enfin, comme j'ai envie de dire, c'est une histoire de famille. Ok, le diable. Et bon, une dernière sur le diable. Les amoureux. Les cartes des amants. Ok, très bien. Donc, je pense que je vais rien ajouter là. C'est pas mal. Et ici, la mort. Ça parle... Ouais, ok. Très bien. Eh bien, pour ceux qui souhaitent continuer cette lecture, on se retrouve sur Vimeo. Les autres, merci d'avoir suivi cette lecture encore. Et pour tout le monde, merci de liker et de vous abonner. À très vite.